$25 from Ricer X, who says, here's to all the runners and staff for putting on such a great event. Always enjoy watching F-Zero. Hello? So let's make this block even Hello? With the death race. Le mec le plus relou de l'univers. Non, ça me faisait plaisir parce que je le fais souvent, mais jamais avec autant de monde. Donc voilà, j'ai envie de faire chier. Alors, re-bienvenue. Bon voilà, ça s'installe tranquillement. Vous regardez le stream francophone de Lovesome Games Don't Quick 2015 qui se déroule aux États-Unis. Marathon d'une semaine de cavalcade effrénée sur moult jeux électroniques. En effet, des joueurs chevronnés vont, eh bien oui, terminer les jeux les plus vite possible jusqu'à 150 jeux. Ça va être absolument incroyable. Et tout ceci est fait pour récolter des fonds pour la Prevent Cancer Foundation qui assiste les personnes atteintes de cancer et qui aussi est très très active dans la recherche pour soigner et lutter contre ce dernier. Le focus principal cette année est tout l'argent qui sera reversé à la Prevent Cancer Foundation par le marathon. Ce principe se concentrera principalement sur la recherche contre le cancer de la prostate et le cancer du sein. Voilà. N'oubliez pas d'aller vous faire détecter si vous avez plus de 45 ans ou 55 ans. 50. Ouais. Voilà. C'est l'heure d'aller se faire tâter la prostate. Allez, pop, 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 on y va, on ne plaisante pas. Et donc, comment dire, donc oui, l'intégralité des dons y vont. Vous avez également la possibilité de devenir sub si vous voulez les emotes du marathon sur twitch.tv/gamesdonequick. L'argent normalement c'est séparé en deux de manière égale. Normalement il y a 50% qui va à gamesdonequick et 50% à Twitch. Là les deux se sont mis d'accord, l'intégralité de l'argent du subscribe ira au marathon ainsi que les revenus générés par les publicités. Pareil ici, vous avez également le Humble Bundle où vous pouvez acheter des bundles craqués avec plein de jeux cool et décider de l'argent que vous donnerez. Vous avez des t-shirts géniaux sur theyeti.com/agdq, etc. etc. Et bien entendu, quand vous donnez, vous pouvez influer sur le marathon et participer à nos défis français, par exemple, qui sont à gauche de l'habillage du Restream. Et nous sommes sur le jeu F0X avec WMG. WMG avec son channel Twitch, WMG Speedruns. Alors je vous rappelle aussi, je vous invite à installer le plugin très très drôle FrankerFaceZ.com et vous pourrez avoir des emotes marrantes et du coup aussi avoir directement, ça c'est quelque chose que Dan Salvato a ajouté au stream US et aussi à notre stream sur Twitch, vous aurez en bas du stream des boutons pour suivre les runners qui run actuellement on stream, donc ce qui est plutôt sympa si vous aimez aimez ce run de F0X, ce que je n'en doute pas d'ailleurs, et bien vous pouvez si vous avez le plugin le suivre directement tout en restant sur ce stream, donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Il est pour l'instant il s'installe, je sais pas trop ce qu'il fait, hein. Je pense qu'il prépare son, il fait du time attack, non il va faire du GP. Ah non, normalement on part sur une cavalcade effrénée en GPT. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il fait sur Time Attack. Peut-être qu'il vérifie que les boutons sont bien à l'endroit où il faut qu'ils soient. Oui, mais quand on est sur les Staff Ghosts, d'accord. Nous sommes sur les fantômes du staff encore. Ah, donc il veut faire ça, d'accord. Ok, il veut faire du Staff Ghost en fait. Donc Time Attack, du coup. Bon, bah pas de GP, très bien. Il y a peut-être une incentive là-dessus. Ouais, sûrement. À voir. Et le 45 minutes, je sais pas si le créneau était prévu là-dessus. Ouais, parce que ça me paraît court, 45 minutes pour Bart, tous les Staff Ghosts, honnêtement. Donc voilà, vous pouvez le voir directement utiliser la méthode classique de démarrage. Là, on n'a pas d'ennemis pour se faire taper, pour nous taper les fesses. Donc, on va utiliser les rebords, comme on vous le disait, avec ce système de hitbox qui peut aller sur le côté derrière. Et bien là, dans F0X, on peut vraiment se mettre sur le côté et prendre des dégâts et gagner de l'accélération. Oh là là, c'est parti, il fait n'importe quoi. Donc, les méthodes de vol débiles. Donc il vient d'obtenir son boss power alors qu'il était en l'air et maintenant eh bien on va rester en l'air et faire les tours comme ça. Hein, pourquoi s'ennuyer ? Et chose intéressante, c'est comme s'il était au sol. Vous le voyez, cette boule rose autour de lui, ça veut dire qu'il récupère de l'énergie en fait. Il est sur les stands en fait. Il va sur les stands en fait, mais en l'air ça marche à l'infini. Hein. Ça touche à n'importe quelle hauteur.
Oh, il va mourir. Donc on voit qu'on peut bourrer les murs à l'infini, ça n'influe en aucunement sur la vitesse, juste le dommage, voilà, de l'énergie qui est consommée. Enfin, ça dépend, que faut pas les prendre de face. Là, il le prend quand même avec un angle très précis. C'est, hein. Ça, ouais. c'est subtil, précis, hein. Il le prend pas exactement de face, hein. Il le prend vraiment en diagonale. C'est pour avoir la corde parfaite, et ça servira même dans les stages avec tuyaux, on verra ça. Mais là, on est dans F0X, et la petite différence, c'est donc là, ça y est, notre énergie est liée à nos boosts. Et donc, il faut pas faire n'importe quoi, parce que vous allez sacrifier l'énergie en faisant ça quand même. Regardez bien, hein, ça lui pèse, ça lui prend combien, je dirais bien un tiers de barre d'essayer de toucher les rebords pendant alors une seconde et demie, quoi. Et ça donc lui fait perdre aussi son boost. Faut faire des choix, et on peut pas faire les deux. La récupération d'énergie alors qu'il arrive juste à la fin, c'est vraiment marrant. Et on voit cette chute folle où on retombe à 1900 km/h. Donc ça, c'est bon, déjà la voiture s'envole un peu n'importe comment dans les F0X. Il y a des courses où il faut faire très attention. Mais justement, si on arrive à maintenir des directions très précises en l'air et ensuite faire un double tap, c'est-à-dire ce qui est votre coup spécial pour faire un coup de côté avec R ou Z, si vous faites un double tap, vous chutez à une vitesse vertigineuse en fait. Ah oui, on accélère très très vite. Je suis à 2,20. Est-ce que je suis vraiment à la bourre ou pas ? Je suis à 2,28. Ouais, pourtant, je suis en source, hein, je ne sais pas du tout quoi faire de mieux là. Je vais. Ouais, faudrait que je voie. Ouais, j'ai pas vraiment moyen de le faire ramer. Une fois, je vais laisser tourner. Je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Je suis désolé d'avoir un petit peu de retard. C'est vrai qu'il va se passer des choses extrêmement impressionnantes et je ne peux là, hélas, pas compenser. Hein. Donc, je peux pas aller plus vite que ça. Ah là, ce démarrage sur Silence qui est vraiment magnifique. Ah là. Donc là, normalement, il y a des boosts au sol hein, qu'on pourrait enchaîner pour garder une vitesse complètement dingue, mais il préfère quand même aller perdre de l'énergie sur le côté, vu que de toute façon, son premier tour, il n'a pas de boost. Et c'est à la fin de cette map, qui est toute droite, en fait, c'est juste un genre d'anneau, eh bien, il va récupérer toute son énergie, et voilà, au partir du deuxième tour, il aura la possibilité d'avoir ses boosts. Et donc là, c'est assez difficile, hein. Il faut vraiment bien se placer. Et on a un autre problème aussi dans le jeu, c'est que quand on atteint une certaine vitesse avec un certain angle, eh bien, on peut décoller naturellement, oui, hein, sans avoir besoin de tremplin. Et donc ici, je peux vous assurer qu'il est en train d'appuyer sur avant pour ne pas décoller, parce que sinon, son vaisseau, obligatoirement, à la vitesse à laquelle il va, il décolle. C'est vraiment ce jeu, il y a des courses notamment, on le verra vers la fin, alors je sais pas. Ah, du coup, je sais pas s'il y a le DD d'installer et s'il y a des courses je en plus. Je suppose parce qu'il est sur une version japonaise du jeu. Ouais, ok. En étant sur la version japonaise, je suppose qu'on va avoir le droit à des maps sur le DD. Oh, on l'a vu décoller. Alors ça, c'est volontaire. Le petit décollage à la fin, là, avec le décalage sur la gauche pour prendre un dégât vers l'arrière et ensuite aller vers l'avant, ça peut être volontaire. Ça fait pas gagner beaucoup, mais ça fait gagner quand même un petit peu. KVD, ah bah du coup c'est intéressant, en time attack du coup on ne va pas tout le temps voir le même vaisseau. Oui, bah c'est vrai que ça lui permet aussi de s'adapter à chaque fois selon la map. Hein. Parce que le vaisseau qu'il utilisait là est normalement le vaisseau avec lequel on enchaîne le GP Master. Et ça c'est un des vaisseaux les plus légers du jeu, qui va lui permettre de voler aussi pas mal. De toute façon il joue avec des vaisseaux assez légers de toute façon. Ah, les sorties de tuyaux, alors ça aussi les sorties de tuyaux, là. Très technique. Très technique et très dangereux. Normalement c'est quelque chose qu'on ne fait pas hein, quand on joue normalement, c'est quelque chose qu'on évite de faire, mais bien maîtrisé si on a le bon angle, si on est vraiment à la bonne vitesse, au bon endroit, en train de faire le bon virage, et bien ça nous ramène sur la map, parce qu'on a aussi beaucoup de chances de ne pas revenir sur la map en faisant ça, hein. C'est très dangereux. Il faut s'envoler et juste avant de sortir finalement de la piste, faire ce double tap qui nous ramène violemment vers le sol et avec une propulsion, une poussée de vitesse assez hallucinante. C'est superbe ce qu'il fait là. Et c'est marrant, on le voit bourrer les bords même avant de rentrer dans les tuyaux, tout simplement parce que c'est possible, on rentrera dans les tuyaux quoi qu'il arrive si on fait la technique de bourrage de bord. Donc des fois c'est assez rentable et pas si dangereux que ça. Et là il a vraiment plus d'énergie, rien à faire vu qu'au dernier... Ouh, il est parti de l'autre côté. C'est pas grave parce qu'il n'avait pas besoin de beaucoup. Il a quand même mis 3 secondes 15 au Staff Ghost, hein. C'est pas négligeable. Hein. Vous pouvez essayer de faire ça chez vous, hein. Ça va être chaud. Hein. 18 secondes le tour, très bien, tout va bien. 3000 km/h en vitesse max, c'est ce qu'il avait fait. Alors bien, je vois dans le chat les monos qui s'énervent. Essayer de balancer des raids sauvages. Le raid, hein, je vous explique, je l'expliquerai juste une fois, ensuite on sera totalement sur le raid. En fait, c'est à l'initiative des casters et des streamers et c'est organisé. On y va tous, on laisse un message sympa et c'est cool. Oui, c'est pas le chaos, genre. Oui, éviter. Voilà, genre Jackie, allez, on y va, c'est parti, on fout la merde, ouais, c'est super. Et puis bon, finalement, tout le monde y va avec 10 minutes de décalage et puis finalement, c'est le chaos et l'angoisse.
Non, pas besoin, calmez-vous. Tout va bien se passer. Effectivement, on ira embêter nos copains allemands, mexicains plus tard. Et moldaves. Le restream moldave, on n'en parle pas assez. Il y a un restream moldave. Voilà. Entièrement en Moldave. Donc c'est quand même assez rare pour qu'on. Ils sont 15, hein, je crois, sur le restream. Non, mais c'est vrai que c'est cool qu'il y ait maintenant aussi cette initiative qui soit reprise dans d'autres pays. Hein, c'est plutôt sympa. Surtout après l'année dernière qui nous a beaucoup rapprochés de nos confrères allemands. Hein. Nos confrères allemands, mais oui, d'ailleurs, le restream allemand qui a failli ne pas avoir lieu, c'est, je n'arrive plus à parler. Et ça s'est décidé à la dernière minute, donc c'est vraiment cool de les avoir. Et l'arrivée du restream espagnol avec The Mexican Runner. Voilà, qui fait le restream espagnol, effectivement. Et puis on a. C'est vrai que là, c'est vraiment foufou hein, ce qui nous sort, le monsieur. Je suis désolé, je fais des play-pause pour essayer d'être le plus proche possible, donc des fois, je rate des bouts, hein, je suis vraiment désolé. Ouais, bah écoute, calme-toi. Ou tu peux de façon. Je suis à 7.05, 6. Alors, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que chaque vaisseau possède un réglage en fait au démarrage. Alors, vous avez pu le voir dans F0 de base, en fait, les vaisseaux avaient des réglages, mais ils étaient prédéfinis. On ne pouvait pas les changer. C'est ça qui nous indiquait en fait quel type de vaisseau on avait. Alors là, ça c'est fou. Ça c'est tellement bourrin à faire, ces techniques de vol. C'est là où ça devient vraiment un nouveau jeu pour eux en fait. Quoi. Enfin, ouais, là ça n'a plus rien à voir avec le. Parce que normalement on cherche à rester le plus près possible et à éviter. En fait là, il décolle parce que il va tellement vite que de base en fait quand vous prenez un virage assez violemment sur ces tubes, eh bien vous allez décoller et mourir. Globalement, si vous décollez du tube et que vous avez un peu de chance, vous avez une chance de retomber dessus et peu de chance en fin de compte que ça arrive, vous avez grande chance de mourir. Et eux, il arrive à le faire, c'est dingue, à maîtriser cette technique de vol à partir de tubes. Parce que quand on décolle d'un tube, c'est vraiment bizarre, la gravité, en fait, elle est hyper bizarre. On a vraiment pas. En fait, on a la sensation d'être collé au sol pendant un certain temps, et d'un coup, on s'envole. Et réussir ensuite à redécoller, à faire des rebonds avec ça, mais c'est infernal, quoi. Vraiment, c'est magnifique. C'est fou, ouais. Quand il prend de l'altitude, voilà, en fait, c'est là où il utilise vraiment son boost power pour continuer à avancer et ne pas tout simplement chuter, à devenir inerte. Et ensuite, il y a les chutes hyper violentes une fois qu'il pense qu'il est bien placé. Quoi, c'est applaudi. Hein. Il a mis 13 secondes au Staff Ghost. Et ben, c'est mérité. Hein. Je peux vous dire, vous pouvez aussi applaudir chez vous. Il n'y a aucun problème. Explosion classique, voilà, ça c'est parce qu'on n'a plus d'énergie à la fin, on prend un angle un petit peu particulier. Ah oui, c'est l'optimisation là, les dégâts, on va au maximum. Quoi. Ah bah oui, c'est volontaire. Il n'y a aucun problème à perdre. Donc voilà, là vous avez pu voir, donc on a pu voir un tout petit peu ses réglages, il est au maximum d'accélération, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'est pas au maximum de vitesse, il veut surtout démarrer et accélérer vite pour pouvoir faire, vous savez, le démarrage en rebondissant sur les bords des écrans. Vu que de toute façon après, il a une vitesse nécessaire grâce à ses boosts, il n'a pas besoin d'avoir une vitesse max, on va dire du vaisseau naturellement haute. Surtout sur une map où ce raclage de bord, le vol de 2400, l'enfer, on a vu là. Décollage. ça c'est extrêmement dur. Vous voyez, il décolle en partant sur la gauche. Une fois en l'air, il va aller sur la droite et se rabattre une fois de plus avec ce double L ou double Z là pour le coup, pour réussir à revenir sur la map. Ça lui fait gagner beaucoup de temps parce que vu qu'il plonge à une vitesse quasiment incroyable, pas loin des 2000 km/h, je suppose, quand il le fait. Là, combien? Ouais, c'est ça. Il fait du 2200 km/h quand il arrive au sol. C'est beaucoup plus rapide qu'une ligne droite avec un boost. Ça lui fait gagner bien plus qu'un boost. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est indéniable. Désolé, je suis un peu distrait par Vernier qui hurle à la mort à côté. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, s'il est blessé, tu peux aller l'aider ou appeler les secours. Non, il est en train de pointer. Est-ce qu'il a été aux toilettes récemment? Comme d'habitude. Est-ce qu'il s'est coupé avec la cuvette hein? Ah ouais, non, mais il y a des accidents terribles ici. C'est vraiment fou. On a vu la tour qui n'existait pas, bien sûr. C'est beau hein, parce que faire 3 tours sans se planter comme ça avec autant d'appoint, franchement c'est fort hein, parce qu'il fait pas les safe strats hein, pas spécialement quoi. C'est juste hyper agressif comme méthode de jeu. C'est un dingue, lui c'est vraiment un dingue. Et on va le voir hein, plus il y a vraiment enfin ce décollage, il y a même des courses où on va devoir s'éviter de décoller tellement ça serait évident pour lui de décoller très facilement. Ah oui, bah c'est, il y a des courses très très traîtres dans le jeu, hein, des courses clairement dégueulasses. Il y a des niveaux qui sont générés aléatoirement, donc de toute façon on peut mourir en très grande quantité parce que justement d'ailleurs les mobs qui sont évités en speedrun, ouais, d'ailleurs. Oui. Ce serait marrant qu'ils le fassent à la fin, un truc comme ça, avec les maps qui sont générées aléatoirement par le jeu. Mm-hmm. Mais je peux vous assurer que c'est tellement imbitable. C'est des mélanges de maps mal foutues en général. Et puis on peut pas les apprendre. Il y a, je sais pas combien de maps générables.
Mais ça permettait aussi d'avoir ce décollage qu'il a fait. Là, on a la caméra a pas réussi à le suivre. Je pense que ça fait peur quand même. Hein. Donc la récupération d'énergie sur la fin à chaque fois. Oh, il met déjà 5 secondes en deux tours au Staff Ghost. Hein. C'est impressionnant. Ouais, et puis bon, là, même quand c'est moins fou comme ça, qu'il n'y a pas de décollage, on voit enfin tous les slides traversent l'espace de manière optimale et réatterrissent directement sur un boost. Enfin, c'est... Oui, puis il y a le fait d'être à zéro d'énergie quand même sur la fin. Oui, voilà, bon. C'est quand même une... C'est-à-dire qu'il a bien calculé son coup. Au dernier moment, il récupère de l'énergie pour faire un dernier boost devant la ligne d'arrivée. 3 secondes 13 d'avance. C'est le tout est très décontracté. Que... Hein. Imaginez, hein, il joue bien, hein, vous êtes d'accord. Il a que 3 secondes 13 d'avance sur le Staff Ghost. Imaginez la difficulté pour un joueur normal qui joue beaucoup, qui a plusieurs centaines d'heures de jeu, de réussir à battre ses Staff Ghost. Quoi. Staff Ghost, quoi, qui sont assez immondes. Ça me rappelle un petit peu ces heures passées également sur le Wipeout HD. Il y a également les achievements probablement les plus immondes. Oui, mais c'est des jeux qui aiment de toute façon à se la péter un peu avec leur niveau de difficulté, mais c'est normal parce que c'est vrai que si tu veux avoir une durée de vie élevée, et je sais que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, Zero X, tout simplement parce qu'il est dur. Mais il y a peu de jeux qui donnent autant de satisfaction une fois qu'on les maîtrise, par contre. Oui, effectivement. Et puis quand tu réussis un truc joli, tu sais que c'est dur et que c'est beau, quoi. Mmh. Oh là là, ce qu'il fait là. Alors vous avez pu voir aussi, il fait un truc assez incroyable. Il décolle et une fois en l'air, il va se mettre en diagonale juste avant de décoller pour avoir la bonne orientation de son vaisseau au moment où il atterrit. Et franchement, qu'il ne meure pas plus que ça, vu les techniques qu'il emploie actuellement. Parce que j'ai pas mal regardé des... Bon, pas spécialement de WMJ, mais beaucoup de CGN sur du F-Zero. La prise de risque est tellement élevée qu'on meurt souvent, en fait. Et réussir à passer les 3 tours avec le niveau de difficulté de maximal, on va dire, de prise de risque maximale, est extrêmement dur. Et là, il nous montre quand même tous les trucs les plus durs. Hein. Il n'y a aucun problème. Et lui, il fait ses 3 tours sous les doigts dans le nez avec 6 secondes d'avance, comme ça, quoi. Ouais, c'est zigzag improbable en chute. Enfin, on sort des limites parfois pour juste gratter quelques kilomètres heure et revenir au dernier moment. C'est assez fou. Et il est quand même loin de son propre record à 56 secondes. Oui. Quoi. Mmh. C'est fou. Hein. Mais par contre, honnêtement, c'est beau à regarder comme ça dans une vraie attempt sans reset. Par contre, les streams de time trial, par exemple, horrible. De CGN et compagnie, c'est vraiment la foire au reset pendant les 20 premières secondes du circuit pendant 4 heures. Alors, tu sais ce que je fais ? Je regarde les replays, en fait, oui, de Twitch, et t'accélères, en fait, jusqu'à ce que tu tombes sur le moment où ça peut être... Oh là 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 là. C'est... La balade des gens heureux, où on perd toute sa vitesse jusqu'à 600 km/h, on utilise tout son boost pour faire la chute absolue qui fait passer à la fin du tour, au final. 2500 km/h. Mm. Oh là là. Donc là, moins osé, vu qu'on avait moins d'énergie. Planté, quoi. Il enchaîne les trucs. Il a l'air concentré. Regardez bien. Hein. Si vous regardez un peu son visage, je pense qu'il sourit, mais en même temps, il ne cligne jamais des yeux. Hein. Il regarde le temps. De temps en temps, quand il passe un tour, comme il regarde le temps qu'il fait. Mais à part ça, c'est incroyable. Oh là là. Et je crois qu'il était à 59 secondes hein, sur son temps là. Donc ça vous donne une idée quand même de la. Il se met encore quelques secondes de moins. Quoi. Voilà, il se met 5 secondes de moins que ça. C'est pas des world records quoi. La Soran est vraiment très. On a tendance à beaucoup à idolâtrer les runs et F-Zero GX parce que F-Zero GX c'est le jeu d'une vie. Mais F-Zero ce run là est sublime quoi. Sublime, c'est très très dur. Enfin, je pense que F-Zero X, il démérite pas du tout quand on est bon. Hein. Mm-hmm. Vraiment, être très très bon F-Zero X, ça demande tout autant de temps, d'apprentissage et de skill et de réflexe qu'un F-Zero GX. Hein. C'est pas exactement le même jeu, mais je peux vous assurer qu'on démérite pas quand on maîtrise ce jeu. Hein. Le port-down de X. Ah, j'ai le stream qui s'est arrêté. Je vais faire un petit play-pause. Donc je ne vois plus rien. Ne t'inquiète pas, tu vas bien se passer dans port-down avec les tremplins. On respecte un peu l'ambiance. Ah oui. Comment c'est effectivement. Sur SNS. Et c'est là avec le boost power. On va voir ce qui va se passer. Si on va prendre. Si on va faire un skip avec le grand envol des deux tremplins de début de course. Ouais, non, voilà. Ouais, la rentrée dans le tunnel qui est tellement folle. Oh là là, c'est vrai que c'est saut là. Bon, sachant heureusement qu'il y a pas mal de textures qui n'existent pas une fois qu'on quitte le sol. Oui, ouais. Le jeu est quand même très bien fait hein, vu qu'il tourne à vraiment du pur 60 FPS. Oui, ça c'est tout fou. Le temps.
Et très ça, très rare sur Nintendo 64. Hein, bah, c'est le seul, je pense. Hein. Honnêtement, je crois que c'est le seul qui soit full 60 en permanence, surtout avec 30,5 d'affichés simultanément. Quoi. Je veux dire, c'est... Et par contre, c'est vrai que bon, c'est un peu c'est sobre, hein, c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de. Donc, très très pauvre au niveau des textures, mais le rendu mais c'est pas grave. Fou, est fou. Le rendu est fou parce que la vitesse est là. Parce que on a. Voilà, là. Cette map encore, les amis. Mais c'est impressionnant. Et au point que le jeu était trop lourd. Et ils n'avaient plus de place sur la cartouche, et tu vois, MV, toi, ça va te plaire. Ils ont décidé de mettre la musique en mono. Oui. La musique, elle est en mono parce qu'il n'y a plus de place. C'est les cartouches, hein, c'est la 64. Les cartouches bourrées au maximum. Voilà. Et voilà, c'est parti, ouais. On rentre dans le tunnel par l'autre côté. Encore un projetage sans aucun sens et un double tap juste avant de mourir. Enfin, bref. Les détails, tout ça maintenant, ça se fait bien, on est habitué. Petite vitesse de croisière à 1200 km/h. Un boost pas pris intéressant, un boost qui n'est pas pris avant le tunnel des stands. Parce que c'est volontaire, en quoi qu'il était peut-être en train de bourrer déjà son énergie. Oh là là. Qu'est-ce qui fait ça bien, c'est LR. Hein. Franchement, ces virages sont négociés avec tellement de dextérité. Ça veut dire aussi quand même qu'ils maîtrisent toutes les maps du jeu, c'est pas négligeable. Hein. Ouais, parce que maîtriser une ou deux maps, pourquoi pas, mais maîtriser autant toutes les maps, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que les streams de training et de time attack sont autant de la lobotomie, entre guillemets, ouais, parce qu'il n'y a pas d'improvisation quoi, sur cette vitesse-là. Quoi. On prend pas de décision. Hein. C'est soit ça passe parce qu'on a réussi le truc parfait, soit on reset. Hein. Y a pas de... C'est pas « Oh, regardez, j'ai trouvé un nouveau truc, j'ai jamais vu ça arriver dans un stream de CGN, en tout cas. » C'est je réussis mieux que d'habitude ce que je fais bien d'habitude quoi. C'est De toute façon on se souvient ouais, bah, VeroGX CGN l'année dernière surtout alors, ce moment où il laisse en story mode Verrière 27 secondes de retard. Voilà, 25 secondes, il laisse le mec partir seul 25 secondes et le rattrape sur le troisième tour. Voilà, il avait encore un peu de marge histoire de dire quoi. Avec le min boosting et compagnie. Voilà, c'est parti dernier tremplin. Et du petit boost encore. Et du coup hop. Ah, j'ai vraiment du retard, hein. Je suis à 18 minutes et pourtant je n'arrête pas de faire des play pauses donc je sais pas du tout quoi faire. C'est peut-être moi en faisant un play pause qui me re-téléporterait, c'est peut-être un problème de chez Twitch, je vais essayer de le faire. Ok, écoutez, mais moi si ça n'arrête pas de couper, je peux vraiment rien faire. Hein. C'est clairement pas de ma connexion, c'est vraiment le Twitch qui doit être un peu dead. De m'envoyer ça jusque la Bretagne, hein, ça fait loin pour lui. Je vais quand même vous expliquer. Donc là, à la fin, il n'y a plus de rebord hein, sur la map. Donc il faut faire attention à ne pas tomber. Heureusement pour lui, hein, il s'en fout. Ça lui permet justement de faire un beau décollage. C'est d'ailleurs une des maps qui est la plus pratique si vous voulez apprendre à voler dans le jeu. Parce que vous avez vraiment un tremplin qui vous indique. Allez, tu peux voler. J'ai perdu ici. 3-4 secondes. Voilà. Bah, moi, ça s'est arrêté. Donc je pense que j'ai beaucoup de retard. Je vais refaire un play pause. Je n'arrête pas. Ce qui est assez désagréable pour profiter de la run. Hein. Voilà, j'ai gagné 30 secondes d'un coup avec un play pause. Là, je suis à 19,02, 3, 4. Oh là là, t'es 2 secondes derrière moi, fais pas le fou. Je reste là alors. Oh ouais. Espérons que ça tienne. Firefield. Ah ouais, donc là, ça va pas déconner, effectivement. Et ouais, ici, il y a un truc complètement absurde à faire. Vous allez le voir très tôt. Donc déjà, on touche sur le côté. Il va y avoir cette immense descente. Et il faut décoller dedans et retomber dessus alors que c'est extrêmement petit. Et à l'arrivée, vous avez vu, il y a des genres de zigzags dégueulasses. Moi, j'ai fait le con. Oh là 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 là, t'as fait play pause. Qu'est-ce que t'as fait? Non, t'inquiète pas, du coup, ça m'a recalé sur toi. Mais évidemment, en faisant play pause moi-même, je me suis re-téléporté sur une autre strate de Twitch. Et peut-être que je viens de mettre le restream en péril. Mais en tout cas, là, j'ai perdu 2 secondes, 2-3 secondes de buffering. Donc, on est à la frame. Je suis à 19,49. Ouais, on est à la frame. Ok, on est à la frame. Donc là, c'est vraiment une map extrêmement difficile hein, pour ceux qui l'auraient bien vu. Et donc, à la fin, vous avez vu, il y a ce petit rebond. Il vise vraiment de faire bas et il pourrait même, pire, taper le rebord en fait. Il existe vraiment en 3D. C'est pas quelque chose sur lequel il va passer à travers. Et si jamais il le touche, je peux vous assurer, c'est l'enfer pour lui. Donc, il essaye vraiment de l'éviter. Et ça lui fait perdre énormément de temps de négocier ce dernier petit saut là que l'on voit à la fin de la map ici. Là, hop, là, il faut qu'il fasse vraiment attention. Et donc, il utilise le boost pour retoucher le sol le plus vite possible. Il l'a super bien fait, voilà. Map extrêmement difficile et si vous regardez le Staff Ghost ici, il se passe un truc complètement incroyable, le Staff Ghost fonce au sol, alors qu'il y a des petits zigzags et nous on a tendance à voler le plus loin possible pour éviter les ennuis, lui il fonce au sol et il évite tout avec une série d'esquives, de chicanes infaisables, vraiment, et c'est là que je me suis dit, attendez,
C'est faux en fait, les Staff Ghosts, c'est des robots. Staff Ghost, c'est ouais, ça. C'est un tas de Staff Ghosts et c'est tu m'étonnes qu'ils sont durs à battre pour le coup. Ah, il y a une grosse. Ça parle d'une incentive a priori pour le Death Race. Hein. C'est toujours très drôle à voir le Death Race. Hein. Ah, le Death Race, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe que dans celui-ci, mais qui est quand même assez mode. Génial. Oula, je sais pas ce qui se passe là-bas, ça hurle un peu. Ah, ouais, pas, j'entends surtout les hurlements de Ken Bogard. Ah, mais c'est peut-être lui que j'entends à travers. C'est vrai que 117 000 spectateurs sur du F0X, ça doit faire bizarre à Twitch. Devant League of Legends, sûrement. Ah, ça probablement, fait plaisir. J'espère, ça ferait plaisir. Ouais, donc ici, une map, vous avez vu, hein, beaucoup d'utilisation du Z hein, pour voilà. Se mettre dans la les bonne bords position. Commencent à disparaître et ça permet de faire des choses assez drôles. Ouais. Oh là là, c'est vraiment propre hein, la façon dont il joue là, il a touché tout par l'avant. C'est ça qui voilà, est super impressionnant pas, sur la descente. Oh là 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 là, avec les petites ondulations de la map alors qu'il n'y a plus de rebord, c'est des endroits extrêmement dangereux. Lui, il s'en sort carrément pour décoller et faire un cut, hein, rien à faire. Alors que c'est les endroits où toi t'es là avec ta petite goutte de sueur à faire ah bon, faut pas jouer ici. Oh ouais. Joli. Oh là 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 là. Ah non, mais ce petit décollage là, c'est vrai que c'est. Il a peur de rien. Il a peur de rien, monsieur. Ah, et oui, on peut passer la ligne d'arrivée mort, il n'y a pas de problème. Ah oui, hein, bien sûr, jusqu'au parce bout fait, du bout de l'animation. Parce que tu ne meurs jamais, tu casses ton vaisseau. Mais toi, tu ne meurs jamais. Oula, mais si ton vaisseau passe la ligne d'arrivée, c'est bon, t'as gagné. Ah, d'ailleurs, j'ai vu récemment, je me suis infligé turf et ça me rappelle cette superbe scène avec la langue du cheval, mais je n'en dirai pas plus. C'est très bien, je ne veux pas en savoir plus voilà. Non plus. Pas de bord. Le looping de l'enfer sans rebord, hein, voilà. Parce que là on commence à atteindre les maps où on enlève les rebords, c'était facile avant donc on va les enlever. Le boost avec la prise de dégâts sur le côté et le décollage qui le remet dans la piste. Hein. C'est juste qu'il va se servir du décollage et pareil de la rechute hein, pour gagner énormément de vitesse. Oh là là, il a vraiment trop de vitesse donc ça va avoir lieu à chaque fois, mais au niveau de l'optimisation c'est divin. Mais sans rebord et en étant à cette vitesse là et avec des ascensions, voilà. Il va toujours décoller en fait. Quoi. Et là avec son boost, pas besoin de faire le looping. Le looping c'est pour les faibles, le cut de l'enfer. Ce jeu aussi, comme Mario Kart 64 d'ailleurs, comparé à GX et comparé à Mario Kart Wii ou à Double Dash, si vous arrivez à revenir sur la map, peu importe où vous arrivez, vous avez le droit de tomber. Alors que après il y a eu des systèmes de sécurité, surtout dans GX, si jamais le jeu considère que vous ne pouvez pas être là, même si vous arrivez, vous avez l'impression de pouvoir toucher la piste, elle va être en fait, vous allez la voir, mais elle ne va pas avoir de consistance, vous n'allez pas pouvoir atterrir dessus, vous allez mourir. Exactement, oh là là, et encore par l'extérieur le décrochage, ouais, c'est beau. Hein. Ah, j'ai vraiment trop de coupures, hein, c'est vraiment pas pratique. Diantre ! Stream je suis populaire. À 23, 40, 35, 36. Si le maire de Fougères nous écoute. Mais je crois que vraiment que c'est pas le maire de Fougères. Hein. Pour le coup, c'est, j'ai vraiment l'impression que c'est l'un des amis de. Faut faire un câble qui va de Fougères à Twitch. Je vais aller directement sur Twitch parce que là, je suis sur la Games Done Quick. Fougères San Francisco, j'ai envie de dire. On pourrait faire une cover de Manhattan Kaboul qui sera Fougères San Francisco. Quoi de meilleur ? Mega Manhattan Kaboul, c'est vrai que c'était un grand c'était morceau. C'était beau. Il manquait de paroles. C'est vrai qu'on écrit ça. Voilà, alors, premier décrochage. Même avec des bords, finalement, c'est possible. Juste sur la fin de l'ascension, en bourrant la bordure. On l'avait déjà vu sur un circuit précédent. On peut avoir ce décrochage. Voilà, je me suis mis sur Twitch en espérant que ça aille un peu mieux. Ouais, donc là, les maps particulièrement étroites. Donc assez gênantes parce que. Voilà, là, ce. Vol qui vient de faire, oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Le jeu est vraiment dégueulasse, on voit ces mini stands vraiment en espèce de bande d'arrêt d'urgence. Et là on est en time attack, mais imaginez quand vous avez 30 ennemis là-dedans, voilà, et que le niveau de difficulté est un peu particulier. Le niveau de difficulté fait que, en gros, le comportement des ennemis va changer et leur vitesse max, c'est assez simple en fait. Il n'y a pas de tricherie, on n'est pas sur F0, ils ne vont pas vous suivre en permanence, si vous jouez bien vous serez devant. Le fait est qu'en fait c'est leur vitesse max qui va varier, c'est-à-dire que si vous êtes en easy, ils vont avoir 50 km/h, 100 km/h de moins en vitesse max que vous, ce qui fait que si vous jouez entre guillemets aussi bien que vous allez être devant, votre vaisseau est plus rapide. Jusqu'à l'expert. À expert, la vitesse devient identique. Ah, ils ont l'incentive du Death Race apparemment est passé, donc il faudra qu'ils le fassent. Nous aurons c'est le cool. Death Race. Oui. Donc après expert, ce qui se passe, c'est le master. Et en master, ils vont pas aller plus vite que vous, ce serait quand même dégueulasse. Oui. Mais par contre, ils vont être extrêmement agressifs et vouloir tous vous tuer.
C'est ça. Et là, quand on est 29, quand il y a 29 gars qui veulent vous tuer sur une map aussi serrée, ça devient extrêmement les compliqué. Seigneurs, alors ça, cette course en half pipe est juste divine. Ouais, hyper bien faite. Oh là 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 là. Oh, c'est ça. Comment savoir que c'est à ce moment-là qu'il faut décrocher? Bah avec du panache. Ah, c'est fou, le panache. Je pense que c'est là. Ce qui lui reste, c'est le panache, franchement. Ah, c'est bizarrement voilà, dans un endroit incurvé vers le bas qu'on obtient le meilleur décrochage. C'est fou, hein. Hallucinant, ouais. Ah ouais, c'est beau ce qu'il fait. Je suis sans voix, honnêtement, tellement là je regarde. Et... De toute façon, maintenant, vous avez compris les techniques de base. Hein, y a plus qu'à apprécier le skill du monsieur. Hein, c'est... Kaizo Ota said that he knew about side attacks on half pipe being faster, but he left it in sa voiture fétiche cool. Toujours Mute City 3. So, allô? Allô? Oui. D'accord. Allô? On a des coupures? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu m'entends? Oh non. Allô? Oui, oui, c'est bon, je suis là. Oui. Ah, tu as des coupures Twitch ou... Non, j'ai eu des coupures internet là. Je sais pas, il y a une mise à jour qui s'est faite d'un truc que je comprends pas, donc je lui dis, bah va-t'en. C'est une mise à jour Windows, ton PC va redémarrer dans 3 secondes, pas de panique. Non, ça va, il peut pas parce que j'ai mis un script qui l'empêche. Genre, très beau, alors là il a fait des petits sauts avec le rebond très très tôt. Donc ouais, Mute City toujours assez longiligne. Heureusement, il y a ce tremplin pour s'amuser. Ouais, ouais, il a clippé à travers le, le tremplin suivant. C'est ce qu'il expliquait en fait, s'il arrive à avoir des entre deux frames, c'est disponible. Ouais. Ah, ça c'est génial. C'est décrochage à l'horizontale. C'est mystique. Ah, là il a dit qu'il avait pas eu de chance. Je sais pas exactement pourquoi. Ah oh là là. Comment il fait pour voler en ligne droite sans perdre de hauteur? C'est un truc de fou quoi. Il décolle d'un endroit où il y a juste pas de rebord. C'est vraiment la précision sur le stick, hein, vraiment. C'est. J'aimerais bien voir ses mains là, parce que franchement, c'est ce qu'ils font souvent d'ailleurs, c'est ce que fait en tout cas CGN d'afficher les inputs, c'est oui. Extrêmement impressionnant, parce que c'est là qu'on se rend compte de la quantité d'inputs en fait qu'ils font. Il y en a énormément. Oh là là, ce qu'il fait, ce petit vol là qui lui permet de cutter un virage. Alors il fait arrière un tout petit peu, je pense, au moment du décollage, pour juste lancer son vaisseau, et avoir, il le fait juste la bonne longueur, on va dire, avant de refaire bas et refoncer sur le sol, pour être retomber quand même dessus, et pas aller trop loin, ni trop court. Quelle maîtrise, quelle maîtrise. Ah oui, la Rainbow Road. Alors, si on est sur la version DD, justement, ce qui est marrant, c'est sur la Rainbow Road, on a vraiment un remix sauce F0X de la musique. De la musique. Rainbow Road, ouais. Ouais, effectivement. Je ne sais pas, je vais essayer d'écouter. C'est cool. Ce n'est pas le cas. Non, non, je sens le DD. Non, je crois qu'il n'y a pas le DD, non. Donc le saut du début, hein, qui est bon, un cut phénoménal, hein, normal. Ce qui vous permet d'ailleurs, celui-là est pas très, c'est sûrement un des plus faciles aussi à réaliser. Hein. Parce que vous avez de la place en fait sur les Morodes, il n'y a certes pas de rebord. Alors ça aussi, quand il quitte la map et qu'il retombe dessus, juste un petit peu en dessous. Ah, le micro-clipping, là, c'est extrêmement difficile à réaliser de cette manière-là, hein, le faire aussi bien. Les mines, donc là vous avez pu le voir, il s'est pris une mine, il aurait préféré ne pas le faire, hein, mais il a serré au plus possible, mais vu qu'il a son arrière-train qui se décale un petit peu, bah forcément ça lui fait prendre de la vitesse et se décaler un petit peu, et donc il peut des fois péter une mine. Alors c'est pas grave parce que la mine maintenant elle est pétée, donc de toute façon il se la prendra plus jamais. Oh là là, cette façon de booster avec le virage tout en réaccélérant. Oh là là. Et l'optimisation également des 4 stands. Très très pur, ouais, la Rainbow Road. Finalement, ouais, le vrai boost impressionnant. Donc là, il a le temps de faire des petites diagonales, hein, pour prendre un maximum d'énergie et être tranquille sur son dernier tour. Oh, j'ai eu peur sur décollage. L'atterrissage était difficile aussi. Hein. Il a dû se faire une petite frayeur là. Il a pas très bien décollé. Vous avez vu, il est parti très droit. Il est monté assez haut, heureusement, pour réussir à récupérer une bonne trajectoire. Mais c'était pas hyper optimal comme cut. Yeah, on est au zéro de vital. T'as repris pas mal de retard, mais ouais. Bon, je vais me faire play pause. Ah, il a enfin montré le flip, hein, le flip des deux gâchettes. Parce que oui, déjà dans F0X, on pouvait tourner sur soi-même comme un cliqué, mais ça n'a juste aucun intérêt, ça vous fait ralentir. En speedrun, non. Oui, en speedrun, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, c'est beaucoup mieux de double taper pour faire du dommage que de faire ça. On est surtout beaucoup plus précis, en fait. Voilà. Son seul intérêt, ce serait sur la Death Race. Voilà. Sur la Death Race, quand il y a beaucoup de monde et que votre but, c'est de tuer tout le monde, ça peut être intéressant, et en fait, assez peu. Parce que même s'il y a beaucoup de gens autour de vous, il vaut mieux faire droite-droite, gauche-gauche pour les taper. Ça fait plus de dégâts et ça vous fait perdre moins de vitesse. Globalement, c'est juste mieux, quoi. Exactement.
Mais c'est plus précis surtout. Hein. Parce que aller savoir où vous allez quand vous êtes en train de tourner sur vous-même, c'est pas l'idéal. C'est beaucoup plus jouissif également de se mettre à juste à côté, à hauteur, à la bonne vitesse et de savoir exactement qu'il va y avoir l'impact qui va one shot. Hein. Avec un bon Black Shadow. C'est ça. C'est ça qui est marrant. Donc du coup, je sais pas où on en est parce que ouais, j'ai pas l'ordre chronologique des courses sur Hit vraiment en tête là. Nous allons voir. Je sais pas. Et puis on est sur des PB particuliers. Je sais même pas si cette catégorie existe finalement de d'enchaîner pas, les Staff Ghost en single segment. Non, mais c'est ce qu'ils ont prévu de faire sur F0 GX aussi. Également, ouais. Et en race. Alors, à savoir que ça risque d'être un peu particulier parce que je crois qu'on a peut-être un blessé qui se serait fait une petite tendinite. La tendinite du pouce. La tendinite, effectivement. À force de s'entraîner. Les croisés du pouce, fais pas le con, mec. Je ne sais pas lequel des deux runners aurait apparemment été blessé. Et peut-être que ce serait Yadzo qui viendrait finir certaines maps pour le soutenir. Il en parlait sur son terrible. Stream, en tout cas. Ouais, on a peut-être notre premier blessé. Donc, Se faire les croisés du pouce juste avant la GDQ, faute. Hein. Ah oui, faut pas. Hein. Ah, c'est terrible. Hein. Ouais, bah, on va voir ça, on espère. Hein. Bon, quoi qu'il arrive sur GX, c'est un grand spectacle. Bah, c'est vrai qu'en du GX en race, on n'avait pas vu encore. Ça pouvait être potentiellement très fou ou insuivable. À voir. Je tente ma chance en high. Je sais pas si du tout ça peut être jouable ou pas. Mais vas-y, on a tout notre temps, on est là. On n'est pas high. 32, 16, 18 par là. Nous encore. Donc on évite ces zones vert glacées. On va voir si avec l'arrivée des. Wow, même sans le boost power, on a au moins. Ouais, là. Oh là là là. Bon, c'est parti pour le schnapps. Allez. Oh, il est mort. Oh, faute. Ah, t'es parfaitement synchro. T'es même un petit peu en avance. Parfait. Eh ben, tu vois, je suis en high. Je vais rester en high. Ça me dérange pas. Je vais rester comme ça. Tant qu'on est dedans, on continue. Donc pareil, ce démarrage, c'est vraiment incroyable. Il perd quasiment la moitié de son énergie. Quoi. J'ai pas peur, j'en ai pas besoin parce qu'au début, j'ai pas des boosts, alors je peux perdre toute mon énergie pour décoller plus vite. Mais ça, c'est le danger des tubes comme ça. Franchement, tenter des trucs pareils sur des tubes, la physique est tellement particulière, tellement dure à maîtriser. Notamment dans les courses aléatoires, ouais, y a des tubes justement, ouais, des non, tubes bah invisibles. C'est ça, où tu vois tous les bots, tu finis seul la map, cette fois pour tes corps. Toi, tu te fais avoir la première fois, mais t'as des vies où ils en ont pas. Oh là là. Ouais, c'est surtout la deuxième sortie. Le deuxième décollage, là, il est vraiment d'une violence, quoi. Réussir à faire ça, dans le couloir étroit, dans le tunnel, c'est vraiment la marge de manœuvre, c'est vraiment des micro-pressions sur le stick. Oh là et on là. Voit, et voilà, elle commence à décoller n'importe quand, ça a failli jouer un tour. C'était le décollage qu'il fallait pas, c'était celui qu'on n'aime pas. Là, c'est marrant parce qu'il se fait toucher en même temps qu'il reprend de l'énergie, et donc il reprend assez peu d'énergie. Il le fait sans booster, quoi. C'est un truc fou, quoi. Il booste après quand il arrive au sol parce que il va plus assez vite, il est plus en train de tomber dans le vide. Mon dieu, ma vitesse est passée sous les 1000 km/h, vite un boost. Ah, le boost, c'est ascension pour le décollage, pour certains décollages, ouais, c'est assez impressionnant. Oh là là. Mais c'est assez tricky, hein, la fin de ce tube. Hein. La fin de ce tube, je pense qu'en fait, il décolle pour freiner. On le voit passer à 600 km/h parce qu'il a besoin de faire un virage super serré. Waouh, il tombe, il passe la ligne d'arrivée. C'était classe. Suicide win. Là aussi, ouais, c'est assez permissif là-dessus avant d'être considéré game over. Donc ils aiment bien faire ça, évidemment. Faire les cakes, très important de faire le cake quand on speedrun. Très important, la classe, la hype, la swag, comme on dit hein, maintenant chez les jeunes. Bien entendu. Salut les jeunes qui nous regardent. N'oubliez pas, ils sont nombreux sur jeuxvideo.com. Ils sont nombreux sur jeuxvideo.com. Ah bah oui, mais oui, il y en a plein, on les aime beaucoup, tout à fait. Les jeunes. Je rappelle que après nous c'est Sifano et Pierre pour le speedrun de Minecraft, donc restez connectés les loulous. Allez, tous elle en était... piste. Ouh, j'ai eu peur pour lui, il a décollé là, je le sentais pas très très bien une fois de plus, et pourtant ça avait l'air d'aller, tout comme fait, il a bien maîtrisé, il a réussi à reprendre son... Alors là il rate des trucs, hein. Là c'est une map extrêmement difficile avec beaucoup de vagues, et les vagues en fait comme ça c'est difficile de savoir exactement ce que l'on peut faire, il a raté quelques boosts, et puis il y a des décollages qui je pense sont un peu involontaires. Là c'était bien fait, là la fin du tunnel je pense que c'était mieux réalisé. Là, bon, ça remue énormément. Enfin, ça, c'est typiquement le type de tracé vraiment pervers avec beaucoup de boss.
Oui. Et ça, c'est le genre de map qui vous troll en fait, parce qu'on ne se rend pas bien compte qu'on va décoller. Oui, exactement. Et donc, si on oublie de presser avant à un certain moment, oh, il passe. Vous avez vu, je vous dis qu'il ne maîtrise pas bien ça, parce qu'il n'a pas fait chaque fois la même chose. Il sait qu'il va décoller, mais exactement comment et dans quelle quantité. Et il se dit qu'il faut qu'il joue sur ses réflexes juste après, il faut qu'il soit bien réveillé et qu'il fasse OK, j'ai décollé comme ça, il faut que je compense comme ci, comme ça pour réussir à passer. C'est vraiment pas facile. Hein. Il doit y avoir une méthode bien sûr plus rapide hein, que ce qu'il nous propose là, mais c'est déjà en live, il est mort quoi, deux fois sur la première map qui est très dure parce qu'il y avait ce vol infini au début. Oh, ah oui, alors Portown 2, ouais, la Portown 2, j'ai des souvenirs, notamment au niveau des épingles qu'on voit sur la droite. Oh là 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 là. Je me demande si c'est bien ça. C'est tellement bien joué, c'est tellement joli. J'ai vu quelques passages de la run de la GDQ. 2014 et je ne sais pas. Donc non, pour l'instant ça a l'air assez standard. Il n'y a pas de... étrange qu'il n'y ait pas de... Finalement il y a des bords tout du long. Oui, il y a des bords tout du long sur cette map. Non, c'est pas cette course, cette course. Non, il y a des bords tout du long sur celle-ci. Déjà, il fait un vol pas évident. Hein. Il va pas très loin, parce qu'il va pas très haut. Mais ça fait un joli cut, hein. pas évident. De toute façon, dès qu'on vole dans F0, franchement... C'est qu'il y a déjà une maîtrise parce que ça donne pas envie. Hein. Franchement, la première fois que tu commences à. Voilà, dérapage en boost parfaitement maîtrisé avec la petite chicane de fin qui est pourtant un peu crade juste avant les points de vie et la fin du niveau. C'est vraiment. Réaliser ça trois fois d'affilée comme ça avec autant d'aisance, c'est vexant. Tu te dis que t'étais bon quand t'étais petit, puis en fait, il y a pas moyen. Lui, il joue vraiment juste mieux, quoi. C'est comme ça. Joli rattrapage en double tap aussi là avant les chicanes, ouais. Enfin, avant les épingles. Oh là là, c'est tellement propre. Hein. Ouais, voilà, ouais, finalement. Hein. Et petite fin, ça se passe. Hein. Ça se passe aux commentaires, c'est juste extrêmement bien expliqué. Bah, il y a rien à vous dire là. Vous connaissez les techniques. Maintenant, c'est juste profiter de la beauté de ce que nous offre WMJ parce que c'est une 17-692. Bah oui, il est pas loin. Ah, Big End. Niveau horrible par contre lui parce que lui c'est justement un niveau où il y aura beaucoup de moments sans rembord et avec de la glace. Et la glace vous vous rappelez hein, c'est ce qu'on préfère dans les F0. Avec ce tracé bien débile. Ah c'est bien débile ça c'est sûr. Donc on va donc faire tous les doigts de la main. Vous pouvez la regarder, elle s'appelle pas Big Hand pour rien. La glace sur pas de rebord, hein, pas de rebord et de la glace. Comme ça t'es quasiment sûr. Les premières fois que tu l'as fait cette pape tu fais non mon dieu. Et oui, là, c'est En time trial encore, il est seul, mais comme je vous dis, rappelez-vous qu'on peut être 30 sur la map. Hein. Il suffit d'un gars qui te pousse et c'est fini, quoi. C'est pour ce genre de map qu'on regrette un peu, même si, bon, après, ça peut amener à des accidents purement dégueulasses, mais c'est vrai que c'est ces courses, les courses de fin sous haute pression, justement, avec tous les concurrents. Horrible. C'est assez... Oula, il a touché. Gros slowdown, ouais. Mais c'est une map aussi qui est particulière parce qu'elle est complètement à plat. Donc là, il n'y aura pas de cut. Oui. Il peut pas, parce que la map elle monte pas. Et donc il est obligé de la faire un peu legit pour cent hein, pour le coup. Et donc bien. Oh là là, il s'en fout de la glace parce qu'il sait qu'il va droit. Donc au dernier moment, dès qu'il quitte la... Par contre, vous voyez, il tourne pas sur la glace. Il faut pas faire le fou. Il faut pas faire le kikou. Il est là, il arrive, il prend la glace comme il faut. Ensuite, il prend son boost en fin de glace pour reprendre la bonne trajectoire. En général, c'est comme ça qu'on passe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'on a la bonne trajectoire sur la glace, un coup de boost, on la quitte rapidement et on peut reprendre la course normalement. Par contre, ça doit être la map la plus longue du jeu. Ouais, malgré ça, je suis sûr. En durée. Ouais, c'est très grand. Et infâme, il n'y a pas de cut et ça nous donne au final hein, que 33 secondes au tour, donc c'est vraiment vénère. Oui. Bah, en façon, on voit, il a à peine 10 secondes d'avance sur le Staff Ghost, alors qu'il utilise des techniques quand même très avancées. Oh là là. La confiance quand même qu'il a. Hein. Oui, oui. La confiance. Hein. Souvent le dernier tronçon est toujours fait avec 39-46. 39-56 ou sub 40 sur l'intégralité des maps pour battre tous les Staff Ghosts. C'est joli. C'est joli. Et donc je pense qu'il va aller nous faire une petite Death Race. Voilà, Death Race. Oui. Et c'est dur. Alors c'est dur, il va falloir qu'il tue 29,5. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il faut gagner un pinball machine. Wow. Ouais, il y a totalement un flipper, c'est le grand prix, $50. Flipper à gagner pour... Waouh, ils sont fous quoi. Comment ils te le livrent? Donc si vous vivez dans un 9 mètres carrés, gare à vous. Il peut y avoir faute et accident.
Mais ça va bien se revendre sur le bon point. Il va pas prendre Black Shadow, ok. Et donc là, il va remonter la map. Donc son best time est à 43 secondes pour tuer 29,5. Ça fait quand même moins d'une seconde. Alors et voilà, et changement de vue, parce que comme ça, il voit très bien. Oui. Alors il y a trois vues disponibles dans le jeu, c'est vrai qu'on ne la montre pas. Et donc, ralentissement, et voilà, il faut surtout qu'il les fasse dans l'ordre. Il ne peut pas en passer un. Hein. Il faut qu'il les. Pour optimiser. Et le problème, c'est que tous les ennemis n'ont pas le même nombre de points de vie. Le petit, il a tout léger, il va mourir très vite. Mais il y en a d'autres qui sont plus lourds. Et d'habitude, on a tendance à prendre, nous, le vaisseau le plus lourd, qui est juste devant, là, d'ailleurs, de Black Shadow. Et non, lui, il ne l'a pas pris. Il préfère prendre ce vaisseau-là. Et regardez, il y en a un qui est derrière lui. Ah, mais il faut qu'il aille plus vite que ça. Hein. L'idéal, en fait, voilà, c'est que des fois, il y en a quelques-uns qui vont se mettre l'un à côté de l'autre. Donc, quand on en tue un, on peut avoir un peu de chance. Ah, voilà, là, on a vu une belle succession. Ouais. En voyant en diagonale, en profitant des bords, ça fait une suite de kills. Donc, la map est toute bête. Hein. C'est, en fait, vous allez tout droit parce que c'est un genre d'anneau. Hein, donc, ça monte, ça descend. Son PB, il y a un on petit le voit, est à 43-51. Il va nous faire un truc pas mal parce qu'il en reste d'une 2 minutes. Possiblement. Et il lui en reste un à tuer, il faut qu'il le trouve. Et voilà. Alors, où est le dernier? Ah oui, non, deux restants. Oui, deux, c'est ce qu'il reste. Il y en a 29 d'affiché au début. Le trio de tête. Donc là, il va à fond, il le cherche. Voilà, c'est ce qu'il dit. Si tu rates un véhicule, c'est l'enfer. Il ne faut pas en rater un parce que tu ne sais plus où il est. Donc soit tu l'attends, voilà, le voilà. Donc soit il essayait de rattraper le plus vite possible. Voilà, c'est bon, c'est fini. Voilà, et il se suicide par la suite. 1:24:46, c'est un beau temps quand même. C'est quand même un très beau temps. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. C'est un truc vraiment marrant que vous exercez. Ça apprend à tuer les ennemis, en fait, et c'est assez important. Parce que, comme je vous le disais, quand on est en master, au niveau maximal de difficulté, ils sont extrêmement agressifs. Et là, en fait, vous allez devoir changer de mode de jeu. Vous pouvez essayer de jouer mieux que le jeu, ce qui n'est pas évident, parce qu'il est hyper agressif. Ou vous pouvez commencer à jouer un peu plus stratégique et à décider de tuer les ennemis, vos rivaux. C'est-à-dire que si jamais vous tuez votre rival, lui, il va perdre 100 points. C'est un système sur 100 points. Donc le premier va avoir 100 points, le dernier va avoir 0, un truc comme ça. Et quand on est mort, on gagne 0. Et donc quand on peut tuer ses rivales. Et quand on tue ses rivales et ses rivaux, on peut réussir à gagner des places dans le classement général et à finir premier. Donc c'est intéressant de savoir tuer les ennemis aussi quand on joue à F0X. C'est hyper important, même si on veut être sûr de finir les maps. Ça peut assurer des places en tout cas. Et c'est un petit mode qui vous permet d'apprendre rapidement tuer n'importe quel adversaire, peu importe la position dans laquelle il est. Et donc je pense que ça a été mis aussi ici dans le jeu pour ça. Clairement. En tout cas, bon, voilà. Comme prévu, c'était Gore, donc F0GX qui arrive avec Z-Wing. Voilà, je crois que c'est Z-Wing qui est blessé. C'est dommage, Z-Wing en plus, ouais, qui est excellent joueur, qui avait battu aussi Caleb Hart au SGDQ sur la race. Bon, j'espère que sur la race. Je vous parle de ça, c'était le 30 ou 31 que j'ai vu. Donc j'espère qu'il a eu le temps de récupérer. Il serait qu'il a eu quand même quasiment 5 jours ou 6 jours pour se réparer les poignets. J'espère que tout va bien. Mais on va se placer, on revient dans 3 minutes. Ça va être du très très lourd. Ouais. Donc à tout de suite. À tout de suite. Et bisous.